Ce mercredi 6 décembre à 2h44, Laetitia Hallyday a envoyé un communiqué très émouvant à l'AFP pour annoncer une tragique nouvelle. Son époux Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans d'un cancer du poumon. Sur le plateau de C'est à vous, Jean-Christophe Rosé a évoqué la dernière interview accordée par le rocker en avril dernier avant le drame pour le documentaire diffusé sur France 2 ce jeudi 7 décembre, La France Rock'n'Roll. L'époux de Laetitia Hallyday lui avait fait part de quelques regrets sur sa vie. 35 ans après, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai été con de vouloir vivre comme ça, sous-entendu, j'ai quand même conscience de la préciosité de la vie. Il a flambé avec le temps, il s'est dit j'ai quand même eu beaucoup de chance. De son côté, son ami Claude Lelouch a révélé n'avoir jamais entendu le chanteur formuler des regrets. Avec tout ce qu'il a fait, si est-il un vrai centenaire, s'est-il amusé. Je n'ai jamais pu le suivre, sur ses soirées très arrosées. Il n'avait peur de rien, a-t-il ajouté au sujet du train de vie débridé de son ami auquel il a rendu hommage tout au long de la soirée dans C'est à vous. Closer.fr vous propose de découvrir cette séquence.